ça, pas loin, parce que au prochain. Je te passerai, moi, mais on verra comment on va dire ça, cette affaire-là. J'ai dit que je te tiens quelque chose, je te l'enfile. Oh, ça va être pas pire. D'après vous, on devrait commencer? Oui, bon, mais merci d'être présent. C'est une conférence de presse qui porte sur l'assurance emploi. Je m'appelle Pierre Séré, je suis porte-parole du Conseil national des chômeurs et chômeuses. Je suis accompagné ici de Fernand Thibodeau, qui est porte-parole de l'ASTS, Aide et soutien aux travailleurs et travailleuses du secteur saisonnier. Fernand est ici. Accompagné de Louise Chabot, qui est députée de Thérèse Blainville, porte-parole du Bloc québécois en matière d'assurance emploi, d'emploi. Et de Alexandre Boulris, député de Rosemont, chef adjoint du NPD. Chacun va prendre la parole à tour de rôle. L'assurance emploi, vous le savez, c'est un filet de sécurité important. C'est probablement le filet de sécurité économique le plus important pour des centaines de milliers de personnes qui perdent leur emploi. C'est 1,8 million de travailleurs qui, l'année dernière, ont fait une demande de chômage, près de 500 000 au Québec. Et nous vivons toujours avec les paramètres imposés par les coupures imposées au régime d'assurance emploi dans les années 90, que ce soit en termes de normes d'admissibilité ou de sanctions rattachées aux raisons de fin d'emploi. Le Parti libéral du Canada, qui forme l'actuel gouvernement, s'est engagé lors des dernières élections sur deux mesures importantes en matière d'assurance-emploi. La première est celle de prolonger les prestations maladie de 15 à 26 semaines. Et sur une deuxième mesure fort importante pour les travailleurs et travailleuses de l'industrie saisonnière, c'est de rendre permanent et d'améliorer le projet pilote de prolongation de prestations qui vise les travailleurs de 13 régions où l'économie est saisonnière. Nous avons des propositions à faire en ce qui concerne ces deux mesures. Nous avons lancé aujourd'hui une campagne de publicité et qui a lieu au Québec dans le quotidien Le Devoir, qui pose une question, et qui a lieu aussi en anglais dans le Globe and Mail, publié aujourd'hui. Je cède la parole maintenant à Fernand Thibodeau, porte-parole des travailleurs et travailleuses saisonnières de la péninsule acadienne. Bonjour. Alors, mon message aujourd'hui est pour le gouvernement qui nous a annoncé aussi qu'il allait travailler sur deux promesses électorales au niveau des projets pilotes et aussi au niveau de l'industrie saisonnière et aussi au niveau de l'assurance maladie. Alors, comme vous savez, au mois d'août 2018, le gouvernement a annoncé 5 semaines de prestations supplémentaires aux travailleurs de l'industrie saisonnière. Certains saisonniers n'ont pas eu la chance de pouvoir bénéficier du projet pilote, car il y avait un critère, la personne devait avoir fait l'application au moins le 5 août. Alors, les personnes du 4 août, du 3 août ne pouvaient pas recevoir ces 5 semaines de prolongation-là. Je demande au gouvernement, s'il y a un projet pilote permanent, qui est très important, que tous les travailleurs des industries saisonnières peuvent avoir l'opportunité de bénéficier de ces 5 semaines de prolongation. Afin aussi, ainsi le calcul du taux de chômage par région économique est loin de refléter la réalité de certaines communautés économiquement. Il est important qu'il y ait un grand changement dans les zones. Il y a encore des gens qui n'ont pas la chance de pouvoir se qualifier pour l'assurance-emploi par chez nous ou n'ont pas assez de semaines et doivent faire application avec les semaines qu'ils ont. Et cela emmène une grosse perte de revenus pour les gens. J'ai un tableau ici, c'est au-delà de 4 000 $ qu'ils perdent par année. Imaginez-vous une famille. Il est inacceptable qu'une population soit pénalisée. Alors voilà pourquoi on demande des régions protégées pour les travailleurs des industries saisonnières. Et aussi, les 12 meilleures semaines, le calcul des 12 meilleures semaines pour les gens dans les industries saisonnières, à 35 semaines assurables et 420 heures. Ça, c'est très important. Alors que le diviseur soit regardé, aussi recalculé, et que le diviseur réponde vraiment aux besoins des travailleurs des industries saisonnières. Je pense sincèrement que 5 semaines de prolongation au niveau du projet pilote est un glaçage sur un gâteau. Et si nous voulons aider nos saisonniers à vivre convenablement, on doit leur offrir au moins peut-être même 10 semaines, pas juste 5 semaines. Je vais très loin. À tous les travailleurs des industries saisonnières, c'est très important. Il y a des gens qui ont 14 semaines d'assurance emploi, exemple la Côte-Nord, c'est tout ce qu'ils reçoivent. Et le Nouveau-Brunswick, présentement, ça prend 16 semaines pour les travailleurs d'industries saisonnières qui n'est pas acceptable, qui ne peuvent pas faire, et 490 heures, ils ne reçoivent que 23 semaines assurables.
Les conditions du projet pilote doivent être vraiment revues et vraiment répondre aux vrais besoins des travailleurs des industries saisonnières. Car présentement, le projet pilote pénalise les nouveaux travailleurs des industries saisonnières aussi. Alors, il est important de ne pas oublier que les travailleurs de l'industrie saisonnière forment une partie importante de l'économie canadienne. Et je lance l'invitation au gouvernement minoritaire et aussi au gouvernement opposé de pouvoir reviser tout ce projet pilote-là et de répondre vraiment aux besoins des travailleurs de l'industrie saisonnière. Merci, Fernand. Je vais inviter Louise Chabot. Ben, le Bloc québécois, c'est sûr qu'on est solidaire et en droite ligne avec les revendications qui sont présentées aujourd'hui par le Conseil national des chômeurs. Vous savez, en matière de prestations spéciales d'assurance maladie, on cogne le clou sur cette question-là depuis déjà quelques semaines parce que la ministre et le gouvernement doivent vraiment s'engager à augmenter le nombre de semaines de prestations de maladie, actuellement de 15 à 50 semaines. Les témoignages qu'on reçoit de partout sur cette question-là témoignent de la justesse de notre proposition. Et de plus, faut-il se rappeler que le régime n'a pas été revu depuis 40 ans. Donc, il est grand temps que le gouvernement aille de l'avant dans une modernisation du régime, puis en améliorant les prestations pour les travailleuses et les travailleurs. Merci, Louise. Alexandre Voulris, chef adjoint du NPD. Merci, Pierre. Bonjour, tout le monde. Alors, évidemment, au NPD, on est ici pour appuyer les revendications très claires et très précises du Comité national des chômeurs, de l'Association des travailleurs saisonniers de la péninsule acadienne. C'est des problèmes qu'on est capable de régler. C'est des problèmes qui traînent depuis des années. Et puis, par humanisme, par compassion, on doit avoir les 50 semaines de prestations maladie pour les gens qui sont sur l'assurance emploi, pas des demi-mesures comme les 26 semaines dont nous parlent les libéraux. On réclame vraiment les 50 semaines. Puis aussi, une adaptation du régime pour les travailleurs saisonniers qui sont pénalisés avec le régime actuel. Donc oui, la prolongation du projet pilote pour éviter le trou noir des 5 semaines. Et oui, effectivement, Fernand, on peut faire mieux, puis peut-être qu'on devrait aller jusqu'à 10 semaines. Le message qu'on lance au gouvernement libéral ici, c'est vous êtes dans une situation minoritaire, vous avez deux partis d'opposition là, pour qui c'est une priorité. On veut améliorer les choses, que ce soit le Bloc avec sa motion, que ce soit le NPD avec un projet de loi privé qu'on a déposé. Travaillons ensemble, on est capable de régler ça, puis ça peut se faire très rapidement. Puis oui, comme Louise l'a dit, Mme Chabot l'a dit, il faudrait aussi, à un moment donné, regarder l'ensemble du régime d'assurance-emploi qui n'a pas été revu depuis des années, pour mieux l'adapter, sachant qu'il y a encore une majorité de travailleurs et de travailleuses, quand ils perdent leur emploi, n'ont pas accès aux prestations, alors qu'ils ont payé des cotisations. Merci. Alors, ce qu'on comprend ici, c'est qu'on est en train de lever un barrage face au gouvernement minoritaire et d'envoyer un message. L'assurance-emploi doit être réparée. Et nous cognons sur deux choses, les prestations maladie, parce que les prestations maladie, quand on se compare, on ne se console pas. De tous les pays du G7, on est le pays le plus cheap. Quand on se compare à ce qui se passe en France, en Italie, au Japon, en Allemagne et ailleurs, on offre beaucoup plus. Les situations les plus dramatiques sont celles vécues par les personnes atteintes d'une maladie grave. C'est pour ça que les prestations maladie doivent être majorées. Nous parlons de 50 semaines. Et cette motion qui a été adoptée à la majorité du Parlement la semaine dernière, nous l'applaudissons. Pour les travailleurs saisonniers, on veut améliorer, il faut améliorer. Il faut mieux cibler les saisonniers dans les régions où l'économie est saisonnière. Il faut prolonger de 5 semaines, effectivement, les prestations. Il faut regarder la question de l'admissibilité. Il faut regarder comment on calcule le taux de prestation. Nous étions en discussion hier encore avec le chef Picard de l'Assemblée des Premières Nations. Et nous croyons, et ils croient eux aussi, que ce projet pilote-là qui va devenir permanent devrait être étendu aux communautés autochtones. Nous posons en définitive une question, et c'est l'objet de la publicité aujourd'hui. Elle va être répétée, elle va être là pendant tout le mois de mars. Monsieur Trudeau, aurez-vous le courage de réparer les pots cassés? Nous espérons que cette réponse soit positive. C'est pour ça qu'on pose cette question. Merci. Si vous avez des questions, on va se faire un plaisir d'y répondre. Oui, certainement. J'avais une question, peut-être pour... Excusez-moi, j'ai oublié votre nom. Fernand Thibodeau. Fernand Thibodeau. Je voulais savoir, justement, est-ce que vous avez un exemple à nous fournir? Qu'est-ce que ça changerait, justement, d'avoir 5 semaines de plus là, pour certains travailleurs saisonniers? Puis est-ce que vous avez un exemple d'industrie précise?
Oui, alors, si vous regardez par chez nous, nous avons l'industrie saisonnière, c'est au niveau des pêcheurs, au niveau aussi des usines de poissons. Nous avons aussi la forêt, la sylviculture, et nous avons aussi le milieu de la tourbe et le milieu de touristique. Alors, ces gens-là, est-ce qu'ils peuvent aller, exemple, les pêcheurs? Est-ce que les pêcheurs peuvent prendre des bateaux puis aller sur la glace l'hiver pour aller pêcher du poisson? Non, je ne pense pas. Alors, ces gens-là, il y a juste un certain moment qu'ils peuvent aller travailler. Alors, l'industrie est saisonnière. Alors, par chez nous, on a un hiver, comme bien des endroits, mais il y a du travail qui est saisonnier. Alors, le bon ou mort que les gens mangent, qui vient de la péninsule acadienne, qui sont très fiers de manger, je pense que ça vient des gens qui ont travaillé à leur sueur de leur front pendant l'été avec des heures minables pour pouvoir essayer de faire des heures pour avoir leur assurance emploi. Alors, je pense très sincèrement que toutes ces cinq pôles majeurs-là, qui au niveau du travail saisonnier, c'est des bels exemples que ces gens-là ne peuvent pas toutes faire leurs heures pour avoir leur assurance emploi. Ils ne peuvent pas non plus faire leurs semaines souvent. C'est ça qui les pénalise, surtout quand ils ne peuvent pas faire leurs... Comme présentement, c'est 16 semaines. Alors, si qu'ils ont 490 heures, mais qu'ils n'ont pas leurs 16 semaines, leur montant d'argent, maintenant que c'est 10 000 $, est calculé sur les 16 semaines. Alors, voyez-vous la perte de revenus que ces gens-là ont. Alors, moi, j'ai un exemple ici, c'est un tableau qui donne aussi l'exemple d'une personne seule avec 600 $ par semaine, qu'est-ce qu'elle perd? Elle perd au-delà de 4 000 $. Ça fait, c'est beaucoup et même plus. Ça fait, imaginez-vous, deux personnes dans une famille perdent 8 000 $. C'est inacceptable. Alors, je pense qu'il est temps que le gouvernement regarde à ça une fois pour tout, puis qu'il voit que par chez nous, c'est des travailleurs saisonniers. Puis nous, la région Restigouche-Albert fait très mal parce qu'en ce qu'on regarde au niveau de Albert, c'est très proche du milieu urbain qui est Moncton. Alors, la péninsule acadienne, on n'est pas dans un centre urbain. Alors, je pense qu'il faut être réaliste puis aller voir vraiment que ce travail-là, c'est un travail d'industrie saisonnière et aussi d'être réaliste que c'est ça qu'il y a comme travail. Merci. La motion est sur allonger les prestations spéciales d'assurance maladie pour maladies graves de 50 semaines. C'est une motion qui a été déposée la semaine dernière, qui a été adoptée par la Chambre. Maintenant, le gouvernement, on lui demande de se gouverner. Si je peux ajouter quelque chose, les projets pilotes pour les travailleurs saisonniers, il existe. Ce qu'on demande, avec les illustrations que Fernand a données, c'est que les projets pilotes deviennent permanents et qu'on améliore vraiment ce programme-là, en termes de nombre d'heures que de prestations. En ce qui a trait au congé maladie, notamment pour maladie grave, vous aviez fait des approches auprès du gouvernement avant même, je pense, de tenir un point de presse. Est-ce que vous avez fait la même chose cette fois-ci pour voir s'il y a de l'ouverture de la part du gouvernement? Moi, je travaille dans l'esprit qu'il y a de l'ouverture. Je pense que on n'a pas... On ne sait pas. On n'a pas eu encore de réponse là-dessus. Sinon, c'est un message clair quand même de la Chambre. C'est un message clair de la Chambre qui a été lancé la semaine dernière sur l'augmentation à 50 semaines, donc qui allait plus loin. Puis on va continuer de faire ça. Pour les travailleurs saisonniers, non. Non, sinon que dans les lettres de mandat de la ministre, l'amélioration des projets pilotes en fait partie. Fait que là, on lui donne des exemples comment l'améliorer. Puis, M. Bourdieu, c'est une question pour vous. Excusez-moi, j'ai pas vu le projet de loi. Ça portait sur quoi exactement, Nathalie? Puis, vous l'avez déposé quand? C'est la même chose que la motion du Bloc québécois. C'est pareil. La motion, ça donne une indication au gouvernement. Voici la volonté de la Chambre. Si le projet de loi qui serait adopté, bien, ça serait un changement législatif pour les 50 semaines de prestations maladie. La même chose, là. Le Comité national des chômeurs travaille là-dessus depuis des années. Marie-Hélène Dubé avait ramassé plus de 600 000 signatures juste au Québec pour cette... on avait travaillé avec elle aussi à l'époque. Donc, il n'y a rien de nouveau là, dans ce qu'on pousse aujourd'hui, mais on dit qu'il y a un moment à saisir, puis je pense qu'on a l'occasion de régler ces problèmes-là pour de vrai. On va voir ça va être quoi la réponse suite à l'appel qu'on lance aujourd'hui. Mais c'est sûr que c'est important pour nous. Je pense que mon ancien collègue du NPD, Yvon Godin, a fait toute sa carrière politique pratiquement sur le dossier de l'assurance-emploi puis travailler pour défendre les chômeurs puis les chômeuses. On continue le travail aujourd'hui. On espère que dans le budget, il y a quelque chose. Il y a quelque chose là bientôt. C'est bon? Merci. Bonne journée. Merci.